one time we thought Will Smith and Jada was Shaq and Kobe, just on some, you know, red carpet, let's get this money type shit. But how Jada Pinkett Smith moving, it don't make you wanna really be that close with a woman. It'll really make you reconsider ever being married. Damn, baby, you talking about so much personal business. What's your credit score? What's your Beacon score? We don't believe you was worth $50 million. Now, show it to us. Prove it to us. We don't believe this shit. Now, show us. Show us. Will, go home, Will. Go home, Will. They called me Will growing up. Will, you just, come on, Will. When a bitch become miserable, they'll tear down the whole empire. Now, personally, to me, this is just how Rosé think. Me being a hustler coming from Kara City, I automatically gravitate right back to the financial situation. Damn, these bitches broke. That's just what I do. Because when everything was good, when niggas was men in black and all that, everybody was on the red carpet. Them bitches' smiles was, they gave your ass 5 different angles to catch their veneers and all of that. They was with the expensive religious people. You know, I'm just saying, everything was perfect when the films were grossing $300 million. Now that shit's slow, she ain't even hear him. She was confused being referred to as wife. What? À chaque fois que je vois Rick Ross dans ma tête, la musique qui fait... Alléluia! Jusqu'à maintenant, on connaît pas les paroles. Voilà. Petit souvenir. Bon, bref, alors, on est d'accord, les gars, que j'ai envie de te dire, Jada, elle réunit tout le monde. C'est quand même une de ses forces, hein, comme je disais dans l'autre vidéo. Hein. Tu l'as pas vu, ben, je t'encourage à aller la voir. Jada a cette force de pouvoir réunir tout le monde. De l'est à l'ouest, du nord au sud, hein, de droite à gauche, elle réunit tout le monde, hein, et ça c'est rare. Et il faut être capable, les gars, de donner les fleurs aux fleurs qui doivent être données. À un moment donné, Jada, c'est l'unique personne au monde qui est capable de rassembler tout le monde pour acquiescer et dire Jada, c'est une sorcière. Hein? On est tous d'accord ou pas? Je pense que là, il n'y a pas de, doute. Hein? Là, tout le monde met ses différents côtés. Tout le monde là, il y a là. Non, là, on est d'accord. Droite, gauche. Oui. Oui, c'est une sorcière, on est d'accord. Donc, Corey Cross, il dit, tu vois, la situation de Jada, la manière, le genre de move qu'elle fait en ce moment, il n'est pas sûr que ça donne, que ça soit, que ça encourage, en tout cas, hein, l'homme à vouloir être proche d'une femme ou à vouloir se marier avec elle. J'ai envie de te dire qu'il n'a pas tort. Hein. C'est vrai que là, avec la situation de Jada, je ne suis pas sûr que ça va augmenter le taux de mariage. Je ne suis pas sûr. Voilà, je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr que ça donne envie à beaucoup d'hommes, en tout cas, dans, surtout les gars qui sont dans la situation de Will Smith, qui sont famous, qui font de l'oseille. Ah, ça ne donne pas envie vraiment. Après, ce concept d'être proche d'une femme, genre tu montes tes faiblesses, on ne montre pas ses faiblesses, frère. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, je ne vois pas à quoi ça sert. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les femmes sont autant à cheval. Tu montes-nous, montre-moi que tu chiales de temps en temps. Pourquoi tu veux pas? T'as un cœur ou pas? Est-ce que t'as un cœur de pierre, c'est ça? Pourquoi tu veux pas montrer que des femmes des fois? Je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas. Je vois pas l'intérêt en fait. Montre ta faiblesse pourquoi? Pour que fait. Ah! Là, c'est bon, je t'ai. Je comprends pas trop. Donc, moi, j'ai jamais compris ce principe. Non, je ne montre faiblesse à personne. Je vois pas pourquoi. Je vois pas trop. Je vois pas. En fait, je vois pas l'intérêt. En fait, je sais pas pourquoi les femmes sont à fond là-dessus. Montre-nous tes faiblesses. Voilà. Et les gars, après, ils chialent. Ils font, c'est vrai, je vais montrer mes faiblesses. Regarde, je chiale, bébé. Ah. Mais c'est qui cet homme là? Oh. Géraldine, regarde. Ça me fout la honte là. Regarde. Bah, va chercher un travail. Il y a pas de travail. Bah, va chercher un travail. Donc, non, j'ai jamais compris. Je pense pas. Faut pas les écouter, les gars. C'est ça le problème, faut être leader ou pas? Donc c'est vrai que quand il dit ouais, on te croit pas quand tu dis que tu pèses 50 millions. Bon, alors moi je ne suis pas dans l'intimité de Jada. Déjà d'une part parce que je passe spécialement en vie. Hein, voilà. Et deuxièmement, c'est vrai, mais comment elle fait pour faire 50 millions en fait? Parce que c'est quand même une belle somme, on va pas se mentir. Hein, c'est pas un million, hein, c'est 50. Quand même pas mal quand même. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle fait comme ça?
Et moi, je suis pas dans l'industrie, mais si jamais Rick Ross, il est là, on ne te croit pas. Parce que montre-nous les chiffres, montre-nous les datas. Donc à un moment donné, s'il dit ça, c'est que lui, il est un petit peu dans le game. Et lui, dans sa tête, il dit, c'est pas vrai tout ça. 50 millions, qu'est-ce que tu fais pour faire 50 millions? À moins que genre Will Smith te donne de l'argent. Bon, ça c'est une évidence, mais qui te donne de l'argent et que tu le places après et que tu es reçu à faire fructifier, mais 50 millions c'est quand même énorme. Je vois pas comment tu peux faire 50 millions sans faire d'entrepreneuriat. Tu es obligé d'avoir un business. 50 millions c'est vraiment trop quoi, à moins que tu aies commencé à investir à 40 ans quoi, et avec des belles sommes. Donc j'ai des doutes aussi, j'ai des doutes. Permets-moi, Jada. J'espère ne pas t'offusquer et ne pas être insécure quand je te dis ça. Mais je trouve quand même que le doute est permis. Après, de ce que j'ai compris de la théorie de Rick Ross, pour lui, c'est parce que les finances vont un peu moins bien. Parce qu'à l'époque des Men in Black, elle était là, ça souriait. Quand c'était sur le tapis rouge. Elle était trop contente. Et apparemment, là, comme il y a un peu moins d'argent et tout. Mais ah bon? J'étais pas au courant que genre Will Smith il fait moins d'argent qu'avant. Alors c'est vrai que quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai ce qu'il dit, que quand je pense à Will Smith, je pense pas à ses derniers films. Quand je pense à Will Smith, moi je pense à Independence Day. Quand les premiers extraterrestres se sont arrivés, il en a attrapé un, il lui a mis une patate, bah, il a dit welcome, bienvenue sur la planète Terre, après qu'il a fumé son cigare. Tu te dis là on est bien représenté. Ah, jusque là, maintenant qu'on a vu comment il est dans le désarroi en ce moment, il a perdu du charisme. Hein. Mais bon, en tout cas, je pense à Independence Day, Men in Black, allez, Mohamed Ali, Iron Robot, et moi, c'est les premiers films qui viennent direct. Hein. Après, évidemment, Le Prince de Bel-Air et tout. Bad Boy, je suis un ouf. Bad Boy, ouais, c'est sûr. Ouais, il a fait, c'est vrai qu'il y a le dernier Bad Boy 3, là, qui est pas mal. Mais bon, apparemment, il faut moins d'argent. Il dit, c'est normal. Il dit, ça va. Quand tout va mal, quand il y a moins d'argent, ça y est. Elle est confuse, elle ne sait plus. Mais je ne savais même pas que c'était mon mari. Je ne suis pas au courant. C'est vrai qu'elle a de la confusion. Des fois, elle dit « Oui, c'est mon mari, on va revenir ensemble. Hein, » quand Hollywood lui a dit « Bon, calme-toi quand même. » Et des fois, elle dit « Bah non, mais moi, ça fait des années qu'on ne s'est pas appelé mari et femme. » Parce que toi, hein, parce que les gens qui ne sont pas mariés, ils ne comprennent pas ça. Ils disent « Ah bon ? Ah ouais, c'est vrai, ça a du sens. » Non, enfin, moi, j'ai été marié. Jamais, je suis arrivé et j'ai fait à ma meuf, enfin mon ex, femme, épouse, viens me voir. Non, on s'appelle pas comme ça, généralement. Après, si tu le fais, bon, je sais pas, en fait, tu fais ce que tu veux, mais ça me paraît un peu bizarre. Donc, bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te rappelle que si jamais tu veux aller plus loin avec moi, il y a mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine avec business en ligne et l'intelligence artificielle. C'est gratuit, c'est offert, donc créer un hack. Regarde quand même, donc clique sur le lien et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Et force à tous les Jada. Non, c'est une blague. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.